Bonjour, bonjour à tous mes amis. Bonjour à vous. Berlise, je vais très bien, je vais très bien. Merci. Jean-Marie Waco, bonjour, bonjour à vous. Bonjour, bonjour Jean-Marie, bonjour. Comment tu vas? Comment tu vas? Bonjour, j'espère que vous vous portez très bien. Je sais que à 16 heures de la journée et des jours comme ceci, comme dimanche, ce sont des jours souvent où beaucoup d'entre nous sont occupés, font la grasse matinée. Ou alors sont en route pour l'église, la messe. Beaucoup d'entre nous sont maintenant en route pour la messe, pour aller écouter des sermons. On a l'habitude de dire que la répétition, c'est la mère des connaissances. Ou la mère de l'enseignement. Oui, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Et c'est pas seulement à l'école. C'est pas simplement avec ce que je dis dans les lives Facebook, tout le temps que je répète. C'est aussi avec ce qu'on dit à l'église. D'ailleurs, la religion a toujours été implantée par la répétition. Donc les gens sont sûrement en route actuellement. En train d'aller en route, en train d'aller suivre les messages, les sermons répétés quotidiennement. D'autres dorment, d'autres sont debout. Donc, ce matin, en attendant que les gens se connectent encore. Berlise Rose, tu dis que tu es déjà à ta messe. Alors, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Le peuple camerounais, le Cameroun a besoin de profonde éducation. Nous avons besoin de... Il y a du travail. Il y a du travail au Cameroun. Il y a énormément de travail. Quand les gens disent rentrons au Cameroun, rentrez au Cameroun, venez construire le Cameroun, je me demande est-ce qu'ils comprennent même la profondeur. Le Cameroun est un pays vierge. Ah, dans tous les domaines, il y a du travail. Il y a à faire. Et l'un des travaux les plus lourds, c'est le travail d'éveil de conscience. C'est le travail
de structurer la création de l'homme camerounais, du nouvel homme camerounais. Vous savez, c'est facile de partir au pays, ouvrir une agence de construction de route, une agence de sécurité. C'est facile d'ouvrir un hôpital. C'est facile d'aller au Cameroun et faire des affaires. Bonjour Valère. C'est facile d'aller au Cameroun et faire les affaires. C'est très facile. C'est très facile d'aller au Cameroun et ouvrir une agence matrimoniale. C'est très facile d'aller au Cameroun et ouvrir une ligne de restaurant. Où on va manger camerounais, on va créer quelque chose. Hein. C'est très facile d'aller au Cameroun et construire des stades. C'est les choses les plus faciles qu'un être humain peut faire. C'est pour ça que c'est honteux au 21e siècle de constater qu'au Cameroun, c'est pas possible, c'est pas encore fait. Parce que normalement, c'est les choses les plus faciles au monde pour un être humain. De construire des routes, de construire des gratte-ciel, de donner de l'eau potable, de construire des barrages électriques. C'est les choses les plus faciles de faire du business, de faire de la brocante. C'est très très facile. D'ouvrir une église. Vous vous levez le matin, vous placez au bord des routes de Yaoundé, dans un marché actuellement, puisque les marchés ne ferment pas même le dimanche, parce que ce que les gens gagnent en longueur de semaine ne leur permet pas de fermer le dimanche pour se reposer. 80% des Camerounais travaillent dimanche, même dimanche. Ils n'ont pas le choix. Même lorsqu'ils vont à l'église, ils sont en train de travailler dans leur tête. Il n'y a pas de repos. Après l'église, on va ouvrir le poisson brisé ou bien avant l'église, on fait les beignets. Il y a soit alors une personne va à l'église, l'autre continue à faire les beignets. Je vais prier pour toi. Vous vous levez un matin, vous commencez à chanter un peu fort dans votre chambre. Allô, Jésus, Jésus, Jésus. Et c'est terminé. Vous allez voir quelqu'un qui va me dire, voisin, voisine. Vraiment, j'étais entendu chanter le matin là et tout. Vraiment, j'ai mon enfant qui est malade. J'ai mon enfant qui est malade. Et j'aimerais que... Si je peux prier pour lui, automatiquement, vous avez des fidèles, vous aurez des patients, vous aurez... C'est très facile. Je dis, c'est facile de construire des routes, c'est facile de construire des stades, c'est facile de construire des aéroports, c'est facile de construire des gratte-ciels. C'est les choses les plus faciles. L'une des choses, l'un des travaux les plus difficiles, c'est de créer des hommes. C'est de créer le style d'homme qu'on veut pour atteindre un objectif précis. Le travail le plus difficile au Cameroun sera la création des consciences. Pour un Cameroun renaissant. Et comme la politique est quelque chose de dans ce domaine, la politique, la tâche la plus difficile en politique, c'est de créer des hommes, c'est de faire comprendre aux hommes l'importance de telle ou telle chose. C'est de trouver des hommes capables de se mettre ensemble pour faire des travaux faciles. Comme construire les routes, donner de l'eau potable. Le plus dur, ce n'est pas construire les routes. Le plus dur, c'est de trouver des gens, convaincre les gens. Structurer les mentalités de telle sorte que elles soient d'accord de faire des choses faciles. C'est ça le plus dur.
C'est ça le plus dur, cher Camerounais. C'est ça le plus dur, cher Camerounais. Le plus dur, ce n'est pas ouvrir un business au Cameroun. Le plus dur, ce n'est pas faire les beignets. C'est pas faire, je sais pas quoi. C'est pas investir. Le plus dur au Cameroun, ce n'est pas investir. Le plus dur, c'est de trouver, de créer la mentalité qui investit. C'est de créer l'état d'esprit qui sera disposé à changer les choses. Et c'est ça. Voilà pourquoi la politique, c'est un combat idéologique. Parce que voilà pourquoi la politique demande beaucoup de notre intelligence. Voilà pourquoi la politique, c'est pas simplement dire tel du président, allez voter, allez ceci. Non, la politique, c'est pas simplement ça. Parce que si c'était aussi facile d'envoyer des gens aller voter, les gens seraient allés voter. Parce que les Camerounais, ils sont intelligents. Les Camerounais sont intelligents. Le plus dur, c'est de faire comprendre aux Camerounais pourquoi il est important de voter. Pourquoi il est important de s'inscrire. Bonjour Véronique, content de savoir que tu es là. Content. Le plus dur, c'est de faire comprendre aux Camerounais pourquoi ils doivent voter. Le plus dur, c'est de trouver la motivation au fond du Camerounais, personnellement, que ce Camerounais soit capable d'aller voter. C'est ça le plus dur. Que ce Camerounais se déplace, s'inscrit sur les lignes, sur les listes électorales. Qu'il passe sa propre motivation, qu'il fasse sans qu'on ne lui demande, parce qu'il trouve que c'est important, c'est vital pour lui. Ça, c'est le plus dur travail en politique. C'est le plus dur travail, même fait, dans le monde. Structurer les mentalités de telle sorte qu'elles puissent être indépendantes. Qu'elles puissent prendre des décisions personnellement. Qu'elles puissent réaliser leur vie. Qu'elles puissent s'ingérer ou bien s'intéresser aux affaires, à la gérance publique, aux affaires de leur pays. Parce que ça demande un travail intérieur, un travail d'intelligence, une ouverture d'esprit totale. Ça demande presque la soumission. Ça demande la soumission à la vie. Tu dois être soumis à la vie. Mais combien de Camerounais sont soumis à la vie? Combien de Camerounais sont capables de se soumettre à la vie? Les Camerounais sont capables de se soumettre à Dieu. Les Camerounais sont capables de se soumettre à Jésus-Christ. Ils vont vous dire ça. Combien de Camerounais sont capables de se soumettre à la vie? Avez dit au processus de la vie quotidienne de tous les jours. Se soumettre. Très peu. Donc ce jour, je vais poser une question. Je vais vous parler de deux concepts qui sont pour moi, qui sont les sources de mes réflexions sur le pourquoi les Camerounais ne participent pas encore, une des raisons encore, parce qu'il y a plusieurs raisons, aux affaires ou à la politique de leur pays. Il y a ce que j'appelle, en fait, c'est la liberté. Les Camerounais ne savent pas ce que c'est que la liberté. Merci Nadine, merci, bon dimanche à toi. Les Camerounais ne savent pas ce que c'est que la liberté. En général, lorsque nous disons que je suis libre, lorsque un frère Camerounais, un Camerounais te dit je suis libre, nous sommes libres. Vous allez constater que c'est à fleur de peau. Je veux dire,
C'est pas quelque chose de profond. La liberté n'est pas un concept, n'est pas une réalité profonde. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire vraiment. Il va juste te dire, ou elle va juste te dire, je suis libre de faire ce que je veux. Lui, lorsqu'il s'agit de manger, de boire, de fumer, de danser, de faire l'amour, de, je sais pas, oui. Je suis libre de faire ce que je veux. S'il faut vendre au marché, s'il faut faire la moto, il faut... Même le motoboy, la vendeuse, la coiffeuse, tous ces gens vont vous dire qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et ils le disent même souvent à leur femme, à leur mari. Je suis libre de faire ce qu'elle veut. Je suis libre. Tu ne vas pas m'emprisonner. Je suis un homme libre. Je suis une femme libre. Oh, maman, maintenant, ça va se passer comme ça. Hein? Je suis quand même libre de choisir. Je suis libre. Mais quand tu regardes le Cameroun et la situation des Camerounais, la situation sociopolitique, la situation économique, tu ne peux pas dire que ceci, c'est l'état, c'est la situation que vivent des hommes libres. Ce n'est pas comme ça que les hommes libres vivraient. La première idée qui te vient à la tête, c'est ça. Tu vas te dire, mais ce n'est pas comme ça que les hommes libres devraient vivre. Ce n'est pas dans ce merdier qu'ils devraient se trouver s'ils étaient libres. Parce que si on était libre, personne n'allait choisir la pire des situations. Si nous étions vraiment libres en tant que Camerounais, est-ce que nous aurions choisi individuellement de vivre dans la pire des situations dans laquelle nous vivons? Est-ce que nous aurions choisi de boire de l'eau sale qui sort des pompes? Est-ce que nous aurions choisi de marcher dans la poussière si c'est que nous étions libres et qu'il fallait faire un choix et qu'on pouvait faire des choix? Est-ce que nous aurions choisi de laisser mourir nos enfants de maladies, de typhoïdes, d'amibiase, de choses, de maladies qui sont déjà aujourd'hui qui ont trouvé qui ont trouvé la médecine. Dont on a la médecine, pardon. Je vais donc vous dire que en fait, les Camerounais, oui, sont libres. Oui, les Camerounais sont libres. Le Camerounais, le peuple camerounais est libre. La seule chose est que, la différence est que, il y a deux aspects de la liberté. Il y a ce que j'appelle la liberté passive et la liberté active. Les Camerounais sont passivement libres. Le peuple camerounais est passivement libre. Ça veut dire qu'il est libre parce qu'il est prisonnier de la liberté. Ça veut dire parce qu'il est un être humain, parce qu'il est homme. En tant qu'homme, nous sommes obligés d'être libres. Personne ne peut nous empêcher d'être libres. En tant qu'homme, nous sommes de nature libre. Le problème est que on ne nous a pas dit ça. On ne parle pas. Qui est déjà allé quelque part s'asseoir dans une conférence, dans une église, dans une réunion de famille, quelque part où on lui dit que tu es fondamentalement libre parce que tu es un homme. Où les gens ont parlé de la liberté, ont développé, ont causé sur la liberté. Est-ce que les conversations des Camerounais, dans les familles, dans les églises, dans les réunions, partout, est-ce que ça parle de liberté? Oui, on frôle la liberté. On dit que oui, tu as le libre arbitre, Dieu a donné le libre arbitre ici. Mais est-ce qu'il y a eu une réflexion profonde sur la liberté? Sur les raisons fondamentales de la liberté? Non.
Mais on veut changer les choses. Mais on veut créer un pays nouveau. Mais on veut devenir ceci. Mais on veut réaliser le changement. Mais on veut la renaissance. Mais. Sans avoir pris le temps de se questionner sur ce que c'est que la liberté. Je vous dis donc que nous sommes fondamentalement libres. Nous sommes, en tant qu'humains, obligés d'être libres. Nadine dit, peut-être il est temps de changer de façon de sensibiliser, accentuer sensiblement par la vulgarisation des programmes politiques fiables. Nadine, je comprends ce que tu veux dire, mais je vais te dire, si tu prends un programme fiable, que tu conçois comme fiable, tu donnes à un homme qui ne sait pas qu'il est libre, il ne va jamais comprendre ton programme, il ne va même jamais décider à partir de ton programme. 80% des Camerounais ne décident pas du choix politique à partir des programmes. Pas parce qu'ils ne savent pas qu'il n'y a pas le programme, mais les Camerounais savent lire. Ils ne sont, 80% des Camerounais ne sont même pas intéressés par la politique. Ça se voit dans la participation au, la participation des Camerounais aux affaires politiques du pays. Aux élections, aux trucs. Ça se voit. C'est l'absentéisme qui est majoritaire. Et ça n'a rien à voir avec les programmes politiques. Excusez-moi de vous faire, peut-être décevoir ou bien d'approcher les choses autrement. Non, ce n'est pas le programme politique. Le problème fondamental est que le Camerounais ne sait pas qu'il est libre. Écoutez les conversations en famille, dans les réunions de famille. Bonjour Romain, bonjour, bonjour. Écoutez les conversations dans les groupes amicaux, dans des réunions communautaires, dans des rencontres festives, dans les rassemblements religieux et en général politiques. Combien de fois vous avez eu des conversations où on parle de liberté? Et on discute sur la liberté. On se questionne sur la liberté. Le sujet, c'est la liberté. Le sujet de conversation, c'est le concept de liberté. En fait, je vais même dire que c'est tellement rare. Et en fait, ça n'existe même pas dans le milieu. Parce que ce sont des thèmes, on appelle ça la philosophie. Ça donne les mots de tête. Est-ce que ça donne à manger? Est-ce que ça donne à boire? Est-ce que ça donne à fumer? Est-ce que ça donne la femme? Est-ce que ça donne l'argent? Le Camerounais, en tant qu'homme, est fondamentalement libre. Le Camerounais est libre. Il faut qu'on respire ça, cette vérité. Parce que nous sommes hommes, nous sommes libres. Il n'y a personne qui n'est pas libre. Dès que tu es homme, tu es libre. Mais il y a deux aspects de la liberté. Il faut qu'on comprenne ça en tant que Camerounais. Il y a l'aspect passif de la liberté et l'aspect actif de la liberté. La majeure partie des Camerounais actuellement
sont passivement libres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils subissent leur liberté. La vie qu'ils mènent, la situation socio-économique qu'ils vivent, politique, c'est eux qui ont choisi ça. Mais ils l'ont choisi de manière passive. La liberté, c'est le fait de choisir. Nous sommes obligés de choisir. Aucune chèvre ne peut pas choisir. La chèvre ne choisit pas. Prenez une chèvre, vous lancez dans la cour. La chèvre, vous mettez les fleurs, les roses, les marguerites et tout, vous mettez le susongo. La chèvre va directement aller mordre le susongo. Elle ne peut pas se placer devant les événements. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? La marguerite, la rose, je vais... Non. La chèvre ne goûte pas une herbe et puis lâche. La chèvre, parce que la chèvre ne choisit pas. La chèvre est programmée à manger une herbe précise. Mais prenez l'homme. Vous le mettez devant le porc, le poulet, le poisson, les herbes, machin, machin. Vous le jetez, le gars perd le contrôle. Le gars panique, il commence à avoir les maux de tête. Parce que choisir entre tout ça, c'est l'embarras. Il est dans l'embarras. Voilà pourquoi l'homme est le seul animal, le Camerounais est en tant qu'homme, le Camerounais, le seul animal qui souffre de stress, des maux de tête. Vous ne verrez jamais une chèvre qui fait aspirine, Nivacaine. Jamais. Il n'y a que le Camerounais, l'homme, qui souffre de maux de tête, de migraines. Parce qu'il est tout le temps dans l'embarras. Il ne sait pas ce qu'il doit manger, ce qu'il ne doit pas manger, ce qu'il doit boire, ce qu'il ne doit pas boire. Ce qu'il doit choisir. Il est prisonnier de la liberté. Donc, comprenons que en tant que Camerounais, être libre n'est pas un choix. Nous sommes libres, c'est une nature. Nous sommes des êtres humains libres. Nous sommes libres. Dès que nous avons intériorisé ça, nous allons comprendre donc que la merde dans laquelle nous vivons, c'est nous qui l'avons choisie. C'est le peuple Camerounais, c'est chaque Camerounais, c'est toi, c'est moi, ce sont nos parents, ce sont nos ancêtres, c'est le président, c'est le RDP, c'est le MSC, c'est le machin. C'est nous qui l'avons choisi, c'est nous qui avons créé la merde là. Le seul problème est que nous, le peuple Camerounais, nous l'avons créé de manière passive. Nous sommes obligés de choisir. Et ne croyez pas que choisir veut simplement dire choisir ce qui est bien. Non. La liberté n'est pas là pour vous dire ce qui est bien ou qui est mauvais. Vous êtes libre. Donc, vous êtes libre de choisir même ce qui est mauvais. Nous sommes libres de choisir même ce qui est mauvais. Si nous choisissons ce qui est mauvais, il n'y aura rien qui va nous empêcher. Aucun Dieu, aucun diable, aucun Saint-Esprit ne peut s'immiscer dans nos choix. Choisir, c'est pas aussi simplement choisir ce qui est. C'est pas simplement choisir. Même ne pas choisir, c'est choisir. Ne pas choisir, c'est choisir. Parce que beaucoup de Camerounais remarquaient que appeler les Camerounais à
à se mobiliser, appeler les Camerounais à sensibiliser, appeler les Camerounais à faire de, comment je peux dire, à aller s'inscrire dans les listes électorales. Allez. Le Camerounais vous dit, je suis apolitique. Ça veut dire que je ne choisis pas. Salut Stevie. Tracy Royal, je vais répondre à la question de Tracy Royal qui dit, on choisit ce dont on n'a pas conscience. Oui. Le fait de ne pas avoir conscience de quelque chose, c'est un choix qu'on a fait. Le fait de ne pas avoir conscience de quelque chose, c'est le choix que nous avons fait. C'est un choix de ne pas être conscient. Vous ne partez pas à l'école, vous éduquez, vous faites le choix. Vous pouvez faire un choix inconsciemment. Parce que nous sommes obligés d'être, de choisir. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Je vous dis au départ, être libre, c'est être capable de choisir sa destinée. C'est être capable de choisir sa vie. Alors, ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Ça fait trop de philosophie, non? Ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Les Camerounais donc disent, je suis apolitique. Je ne fais pas la politique. Je ne vais pas m'inscrire avec ça. C'est pour les politiciens. Il se dit qu'il ne choisit pas. Je ne choisis pas Kamto. Je ne choisis pas Biya. Je les laisse. Vous suivez souvent dans les tables, les discussions, les médias. Des intellectuels qui disent ça. Moi, je ne suis pas obligé d'être dans un parti politique, je ne suis pas obligé de choisir comme tout. Je parle en tant que Camerounais, ne mettons pas la politique partout. Mais tout est politique parce que de toute façon, même si tu ne choisis ni Kamto, ni Biya, ni Cabral, ni ceci, tu as choisi de ne pas choisir. Et ça veut dire que les conséquences de ton choix passif, que j'appelle un choix passif, tu vas les subir. Parce que la liberté, c'est choisir. Les hommes sont libres. Fondamentalement, nous sommes libres. La seule question est, est-ce que nous exerçons notre liberté de manière passive ou active? La majeure partie des Camerounais ont choisi de ne pas choisir. Et comme ils ont choisi de ne pas choisir, ceux qui ont choisi les dominent. Le peu qui a choisi les domine. Le peu de personnes qui a choisi domine la majorité qui a choisi de ne pas choisir. Mais tous ont choisi. La grande majeure partie du peuple camerounais a dit, ah, je ne choisis pas, je ne fais pas la politique. Le moment où ils ont dit ça, ils ont choisi de ne pas choisir. Le régime Biya et quelques groupes, donc ça veut dire son régime et son groupe de personnes, eux, ils ont choisi de faire la politique et choisi une certaine destinée, une vision de leur politique. Maintenant, comme eux, ils ont choisi activement leur politique, et que le peuple camerounais ait choisi passivement de ne pas faire la politique, finalement, ceux qui gagnent, c'est ceux qui choisissent activement. Ceux qui contrôlent, ceux qui gèrent les affaires du pays, sont ceux qui ont fait le choix actif. Il faut qu'on le reconnaisse, il faut qu'on le remarque, il faut qu'on l'intègre. La situation actuelle du Cameroun, c'est le choix de la majeure partie des Camerounais. C'est notre choix. Pour le moment, nous sommes très peu qui ont choisi activement. Je choisis tel politicien parce que.
Nous sommes conscients des avantages, des inconvénients. Nous sommes conscients de la vision, de ce que la personne veut faire, ce que la personne veut réaliser, ce que la personne veut faire pour nous et pour les autres. Mais nous sommes encore peu. La grande majorité est passive. La grande majorité est simplement passive. Elle choisit passivement. Elle dit, elle remet tout à la destinée. Voilà pourquoi la grande majeure partie des Camerounais croient à une destinée. Parce que lorsque tu choisis sans choisir, tu choisis de ne pas choisir, c'est les événements, c'est les situations qui prennent le contrôle de ta vie. Et comme les événements, les situations, tu n'as pas au contrôle de ça, tu appelles ça Dieu, tu appelles ça quelque chose, les esprits, tu appelles ça quelque chose qui est plus grand que toi, tu lui donnes un nom. Tu donnes un nom à ces choses. Parce que tu n'as pas choisi de choisir. Parce que tu as choisi de ne pas choisir, pardon. Ah, je laisse ça, de toute façon, c'est la vie qui est comme ça. Ce genre de personnes disent toujours ça. Les gens qui ont choisi de ne pas choisir, ils subissent la vie, ils subissent les événements, ils subissent les décisions des autres. Salut Clarisse. Ils subissent. Et dans leur langage, vous allez toujours entendre le champ lexical de la destinée. Du destin. Ils croient à un chemin qui est déjà tracé, qui a machin. Ils croient, leur croyance, c'est ça. Un chemin tracé qui est comme ceci, qui a fait comme cela. Ça va venir demain. Ah, le changement va arriver. Nous, on sait, nous, on croit. Je crois fermement. Merci, Mimi Tabakui. Mami Tong Tabakui, merci. Ça va venir. Non, je crois. Pourquoi? Regardez, il ne faut pas se presser. Il ne faut pas laisser les choses. Non, on ne peut pas. On n'est pas obligé de faire comme ça. Bia, j'ai. On doit comprendre que c'est vrai, hygiène. Il va mourir. Ça viendra. Parce que ça fait partie du plan. Ils vivent dans des plans. Et des plans qu'ils se dessinent dans leur tête. Parce que quand tu ne choisis pas ta vie, les situations gèrent ta vie. La situation politique du pays gère ta vie. Elle ne demande pas ton avis. Tu n'es pas maître de ta vie. Lorsque tu choisis de ne pas choisir, les situations choisissent à ta place. Il faut le comprendre. Puisque nous ne voulons pas choisir Kamto, nous ne voulons pas choisir Cabral, on ne s'inscrit pas dans les affaires politiques, on ne fait pas la politique, si la politique est dangereuse, la politique c'est pour les autres. Nous subissons les choix des autres. Nous allons subir les autres. Et nous allons souffrir. Nous allons souffrir. Nous allons souffrir sans fin. La souffrance de l'homme est incessante, interminable. Votre souffrance, vous priez, vous pouvez aller dans toutes les églises que vous voulez. Vous pouvez prier à tous les ancêtres. Mettez l'huile comme vous voulez. La seule souffrance que l'homme a, c'est qu'il n'a pas choisi activement sa vie. La seule souffrance. Vous voyez les stress que les gens ont là, non? Oh, ma vie est terrible. Oh, je ne mange pas. Les enfants sont en train de mourir. Oh, bonjour, bonjour. Il a une diarrhée. Il a ceci. La poussière. Le courant. Il n'y a pas le courant. Ça là, c'est sans fin. Ce sera interminable. Parce que la punition, la seule punition que l'homme, dont souffre l'homme,
c'est le fait de ne pas choisir activement. Ça veut dire de ne pas choisir en pleine conscience. Tu dois être capable de dire, je choisis tel politicien. Tu dois être capable d'agir, je choisis, je veux de l'eau potable et je veux pour que l'eau potable vienne dans mon pays. Je veux pour que l'eau potable coule dans mon pays. Si ce n'est même pas dans mon pays, dans ma maison. Je veux pour que tel politicien que je pense, dont je pense qu'il a, dont il est capable de changer, d'apporter une dynamique qui peut permettre à ce que les choses changent pour ma vie, j'entre en activité, en dynamique avec ce politicien. Si le moment des élections arrive, ou bien se prépare, je choisis d'aller payer, faire ceci, m'inscrire, mobiliser les autres. Je choisis de mobiliser les autres, de leur faire comprendre que nous sommes obligés de choisir activement. Parce que nous avons longtemps choisi passivement. Je vous ai expliqué. Choisir passivement, c'est comment? C'est ne pas choisir. Ça veut dire, vous faites quoi? Vous vous dites, je ne fais pas la politique. En fait, vous avez choisi de ne pas faire la politique. C'est un choix que vous avez fait. Ne croyez pas que quand vous faites un choix, vous ne subissez pas les conséquences. Tout choix porte des conséquences en lui-même. Tous les choix que nous faisons, je dis tous les choix. Il n'y a aucun choix qui ne porte pas de conséquences. La conséquence est dans le choix. Et ne pas choisir, c'est un choix que vous avez fait. Et ça porte ses conséquences. Vous ne pouvez pas éviter. Personne au monde ne peut éviter ça. Dans tous les choix que nous faisons, à l'intérieur se trouvent les conséquences de ces choix. Tu choisis de fumer la cigarette, se trouvent à l'intérieur les conséquences du choix de fumer la cigarette, qui peuvent être des cancers de poumons, des cancers de la gorge, des problèmes respiratoires. Lorsque vous choisissez de ne pas choisir, je ne fais pas la politique, c'est un choix. Mais vous allez subir. Personne ne vous a dit ça, peuple camerounais. Vous êtes libre. Chaque Camerounais est libre. Nous sommes de nature libre. C'est notre nature. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. On n'apprend pas à devenir libre. Nous sommes libres de nature. La seule différence se trouve dans la façon d'exercer notre liberté. On peut l'exercer passivement ou activement. Pour exercer sa liberté activement, on prend le processus de conscience. Ça veut dire, on apprend, on s'éduque, on s'éveille, on prend, on apprend, on regarde, on est actif. Parce que plus d'informations, plus de perceptions nous avons, plus nous avons la capacité d'exercer activement notre liberté. Mais comme ça demande beaucoup de travail, c'est penant, c'est pénible. Ça demande beaucoup d'efforts, d'éveil, de sacrifice. Alors, le paresseux ne veut pas investir dans la recherche de la liberté active. Dans l'exercice de la liberté active, il reste donc dans l'exercice de la liberté passive. Les gens qui restent dans l'exercice de la liberté passive sont donc obligés de devenir des croyants. Des gens qui ne vivent pas toujours d'espoir. L'espoir, la chance, la malchance. Chez eux, tout arrive par chance ou par malchance.
Chez eux, c'est le destin. Dieu a déjà choisi pour eux une vie. Et ils ne suivent que leur destin. Pourquoi ils doivent se gêner? En fait, ce résultat, c'est ce que vous voyez là, c'est le résultat du refus de choisir activement. Nous avons choisi l'eau sale. Nous avons choisi de boire la boue, de tuer nos enfants. Nous avons choisi de tuer nos enfants dans les guerres multiples, dans l'armée. Nous avons sacrifié nos enfants, notre jeunesse, nos enfants. On les a livrés parce que nous n'avons pas choisi. Parce que nous avons refusé de choisir activement. Parce que nous avons refusé de porter le fardeau, la responsabilité de choisir activement. Nous avons préféré choisir passivement. Dire, je choisis de ne pas choisir. Je ne suis pas obligé de choisir entre Biya et Kamto. Je ne suis pas obligé de choisir entre Biya et Kamto, entre Cabral et... Je ne suis pas obligé de choisir. Lui, tu n'es pas obligé de choisir entre. Mais tu as choisi de ne pas choisir entre. Et le fait que tu aies choisi de ne pas choisir entre porte ses conséquences. Et tu vas les assumer. Même si tu refuses de les assumer. Tu vas les vivre. Tu vas les subir. Vous avez entendu parler des détournements. Oh, on a des 55 milliards. 55 ceci. Regardez comment le peuple passif, le peuple libre, passivement libre. Ce n'est que quelques petits intellectuels qui parlent de ça à la télé, qui entretiennent les oreilles des gens. Ceux qui vont subir ces dettes, ceux sur qui ça va peser le plus, ce sont ceux qui ont refusé de choisir activement la destinée de leur pays. Le chemin, la voie que doivent prendre les affaires de leur pays. C'est ceux qui vont souffrir. Ce n'est pas Biya qui va souffrir. Et enlevez ça dans votre tête. La famille de Biya ne va plus jamais souffrir. Enlevez ça dans vos têtes. Les petits... Kamto, sa famille, ou bien les petits, ils ne vont pas, ils vont souffrir certes, parce que la dette, c'est la dette nationale, donc chacun devra payer au cas où. Mais le poids de la dette, ça veut dire l'effort de la dette. Ceux qui vont souffrir de ça, c'est ceux qui ont dit qui vont le plus souffrir de ça, c'est la grande majorité qui ne s'intéresse pas à la politique là. Et je dis, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à souffrir. Mais lorsque c'est ton choix, et que c'est un choix conscient, même souffrir, c'est la liberté. Donc ne me méprenez pas. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes obligé de voter Kamto ou de voter pour Cabral. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que si au moins vous pouvez intégrer que oui, j'ai choisi de ne pas choisir et je vais porter les conséquences de cette souffrance, c'est ça la liberté. Vous ne souffrez pas, vous n'avez pas à vous lamenter. Parce que c'était votre choix. C'est ça la différence entre un homme qui a choisi activement. Lui ne se lamente pas. Quelqu'un qui, par exemple, le président élu Moïse Kamto, bien les autres militants comme Salomon Bias, par exemple, avec qui j'échange souvent, il me dit, je ne souffre pas, je suis en prison, je ne souffre pas. Parce que c'était consciemment mon choix de me lever contre eux, d'aller marcher, de revendiquer. Donc, je ne souffre pas.
Lorsque tu as choisi quelque chose activement, les responsabilités viennent ou les conséquences viennent, tu les acceptes, tu les embrasses avec joie. Les gens disent, on nous fait souffrir, on nous fait souffrir, oh, il n'y a pas l'eau, depuis 4 jours, que le gouvernement fasse quelque chose, ouais, que le gouvernement... Non, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Le gouvernement fasse quelque chose, pourquoi le gouvernement doit faire des choses pour vous? Pourquoi pensez-vous que Monsieur Biya, Madame Chantal Biya doit faire des choses pour vous? Pourquoi il doit penser à vous? Pourquoi pensez-vous que Monsieur Kamto tout doit faire des choses pour vous? C'est impossible qu'un homme libère un autre homme. Comprenez-le. Dans la nature des choses, nous sommes libres. Il est impossible qu'un homme libère un autre homme. C'est vous qui devez agir. C'est vous qui devez revendiquer. Si vous voulez de l'eau potable, c'est vous. Ce ne sont pas les gouvernements. Le gouvernement, c'est qui? C'est les gens qui sont là-bas, loin. Là. Le gouvernement doit faire quelque chose. Le gouvernement ne va rien faire. Le gouvernement n'a aucun intérêt à faire ça. Et si Dieu existait, Dieu refuse au gouvernement de faire ça pour vous. Si Dieu existait, même Dieu refuse au gouvernement de le faire pour vous. Parce que ne pas agir, ne pas se lever, ne pas actionner les leviers politiques nécessaires pour le changement de votre vie, c'est insulter, si Dieu existe, c'est insulter Dieu. Le pauvre monsieur a passé 7 jours le pauvre Dieu a passé plus 6 jours à créer un homme qui peut choisir, qui est capable de choisir, et il entend dans ma quel gouvernement. Quel gouvernement? Le gouvernement ne fait que ce que vous lui exigez de faire. Si vous ne lui exigez rien, il ne fera absolument rien. Parce qu'il n'existe pas ce gouvernement. Le gouvernement n'existe pas. Ce sont des êtres humains là. Qui existent, les ministres, les machins, c'est eux qui existent. Et eux, ce sont des hommes qui ont choisi activement de mener certaines politiques. Pendant que vous, vous avez choisi passivement de mener une autre politique. Vous avez choisi la politique de la chaise vide. Quand on dit la chaise vide, je ne parle pas l'Assemblée. Je dis dans la vie politique. Vous ne vous inscrivez pas dans les partis politiques. Si, vous n'êtes même pas obligé, mais vous ne vous inscrivez pas dans les listes électorales. Vous n'allez pas voter. Deuxièmement, lorsqu'un politicien, vous ne choisissez même pas les politiciens, parce que vous ne faites pas la politique. Lorsqu'un politicien vous dit, le politicien, lui qui est dans le milieu politique, vous dit, voici le problème qu'on a. Il ne suffit pas de s'inscrire. Il faut qu'on change le code électoral. Il faut qu'on revise le code électoral de telle sorte que votre choix soit effectif. Vous, votre choix soit effectif. Vous n'écoutez pas ça. Normalement, vous êtes supposé être debout actuellement au Cameroun. Vous êtes supposé être debout actuellement. Non, mais vous ne pouvez pas vous lever actuellement. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas compris que vous avez fait le choix de ne pas choisir. Car vous êtes des hommes libres. Vous êtes des hommes libres. Vous avez juste fait le choix de ne pas choisir. Vous ne voulez pas choisir Kamto. Lui propose le nettoyage du code électoral, la révision consensuelle avec vous.
Vous dites peut-être que vous n'êtes pas des politiciens, vous êtes juste des petits commerçants, vous êtes juste des petits balayeurs de rue, des gardiens, des motoboys, vous n'êtes pas concernés. Mais eux, ils sont des professionnels en politique. Choisissez au moins de les écouter. Même les écouter, vous choisissez de ne pas les écouter. Ils font appel aux mobilisations, vous choisissez de ne pas écouter leurs appels. Et vous aspirez de l'eau potable. Il faut l'eau potable. Que les gouvernements, que le gouvernement. Depuis il y a 4-5 jours ici, depuis il y a 5 jours ici, on n'a pas d'eau. Depuis déjà un mois, on puise l'eau vraiment. Que le gouvernement fasse ici. Minalmi. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Parce que vous n'avez pas compris l'importance, la grandeur de la liberté. Vous êtes obligé d'être libre. Vous êtes obligés, nous sommes en tant qu'humains obligés, nous sommes prisonniers de la liberté. Dans tout ce qu'on fait, ce que nous faisons, ce sont des choix tous les jours. Nous sommes obligés de choisir. Pour me lever le matin, pour te lever le matin, tu choisis, tu dois choisir te lever. Dès que tu es né, tu dois choisir. Peut-être que tu n'as pas choisi où naître, dans quel ventre naître. Mais dès que tu es né, tout ce que tu fais, c'est un choix. Nous sommes prisonniers de la liberté. Nous ne pouvons pas nous échapper. Nous ne pouvons pas être prisonniers d'autre chose. Le jour où nous, peuple camerounais, ou citoyens camerounais, nous allons intégrer cette vérité, beaucoup de choses vont changer dans notre façon de percevoir même la politique. Parce qu'il n'y a qu'un homme qui a intériorisé sa nature libre, qui peut percevoir la politique comme étant un jeu de choix, des choix actifs. Que ce n'est que possible, la politique, si on veut qu'elle aille dans notre sens, si on veut qu'elle soit la chose qui améliore nos vies, on est obligé d'être. On est obligé d'être, de faire des choix passifs, actifs. Ça veut dire que obligé de choisir consciemment. En pleine conscience. Je choisis tel. Je vais m'inscrire pour tel. Parce que quand il parle, quand il dit, les informations que je reçois de lui, les choses qu'il dit sont les choses qui me parlent à mon cœur, qui parlent à ma vérité, qui parlent au bien-être. Parce que je sais que si nous choisissons, nous allons choisir le bien-être. Je ne connais pas quelqu'un qui va choisir le mal-être. Si vous voyez quelqu'un qui vit dans le mal-être, c'est parce qu'il a fait un choix passif. Il a subi le choix des autres. Et le choix des autres n'est pas forcément toujours bien pour toi. Le choix des autres n'est pas toujours forcément bien pour toi. Si tu veux que les choses aillent comme tu veux, au moins une grande majorité, parce que les gens ne vont pas toujours comme tu veux. Mais si tu veux que les choses aillent au moins à 90% comme tu veux, you have to choose. You have to actively choose. Tu dois t'engager. Tu dois te lever ton cul, te déplacer, aller où on s'inscrit dans les listes électorales.
Si tu constates que tu as des difficultés à t'inscrire, tu te plains, tu dois agir. Tu dois agir. Il n'y a pas une autre façon. Tu dois te lever. Tu pars où la solution se trouve. Tu dois aller vers la solution. La solution ne viendra pas à toi. La solution, la solution est partout là. Tu dois aller vers. Personne ne choisit pas. Comprenez-le. Tout le monde choisit. Tout le monde choisit sa vie. Dès que tu es né, tu choisis. Peut-être quand le fait d'être né, où tu es né, tu n'as pas choisi. Dès que tu es né, tu choisis. Tu veux la femme. Mais tu ne veux pas te déplacer. Tu ne veux pas aller vers elle. Tu veux l'homme. Mais tu ne veux pas aller vers lui. Tu veux l'argent. Mais tu ne veux pas aller vers. Tu veux que ça t'arrive. Par chance. Mais c'est vrai. En marchant peut-être en route. Par chance aujourd'hui. Tu peux trouver une mallette. Que quelqu'un a oublié. Par chance aujourd'hui, tu peux marcher en route et un homme t'aborde, une femme t'aborde. Par chance, tu peux passer et tu vois une plaque qui dit je cherche d'un emploi, recherche d'un employé qui peut faire. Par chance. Bon, tu diras que c'est le plan de Dieu. Quand tu vis dans la chance, la malchance, tout devient le plan de Dieu. C'est normal. Puisque ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui a posé la mallette là. Ce n'est pas toi qui a travaillé les millions sans la mallette. Ce n'est pas toi qui a écrit sur la plaque là, je recherche. Ce n'est pas toi qui a appelé l'homme là de venir vers toi. Ce n'est pas toi qui est allé vers cet homme. C'est Dieu qui a fait. Lorsqu'on ne choisit pas activement sa vie, on est remis entre les mains de Dieu. Et remis entre les mains de Dieu, c'est remis entre les mains de la destinée. Lorsqu'on a fait le choix de ne pas choisir, la vie prend le dessus sur nous. Elle choisit une autre place. La vie, c'est quoi? C'est ce que vous appelez Dieu. C'est cette grande chose, ce grand bouillon d'événements dont vous n'avez pas de contrôle. C'est Dieu qui finalement prend le dessus. Et lorsque Dieu lui prend le dessus dans votre vie, lui n'a pas de sentiments. Dieu n'a pas de sentiments. Ne croyez pas que Dieu a le sentiment pour le peuple camerounais. Et le peuple camerounais, un jour, Dieu va trouver qu'il souffre beaucoup. Et il va venir les libérer. Il va venir leur donner. Ça ne va jamais arriver. Parce que Dieu n'a pas de sentiment. Dieu n'a pas d'émotion. Ce que vous appelez Dieu. Si vous saviez même ce que c'est, vous allez comprendre, ça n'a pas de cœur. Dieu n'a pas de poumons. Dieu n'a pas un cœur. Dieu n'a pas des émotions. Dieu n'a pas pitié. C'est vous qui avez pitié. C'est vous qui souffrez. C'est vous qui... Dieu n'a pas de sentiments. Vous allez faire comment? Dieu n'aura jamais pitié. J'entends les gens, oh Dieu, aie pitié de moi, oh, aie pitié de nous. Dieu ne connaît pas la pitié, c'est vous qui connaissez la pitié.
Parce que vous avez refusé de choisir activement. C'est vous qui souffrez. En Occident, ils ont choisi activement leur vie. Ils ont choisi, ils veulent avoir des routes goudronnées comme ça. Ils veulent avoir de l'eau pour tous les citoyens comme ça. Il faut que l'eau coule partout parce qu'ils ont pris conscience que l'eau, c'est la vie. Ce n'était pas une prophétie. Ce n'était pas une prophétie. Ce n'était pas un don du ciel. Ce n'était pas. Ils ont pris conscience que l'homme souffre de maladies et il faut trouver des moyens pour le libérer de la souffrance des maladies. Ils ont développé, ils ont appris, ils ont prêté, ils ont travaillé pour ça. Travailler ne veut pas seulement dire aller creuser la terre. Travailler veut dire réfléchir, prendre du temps pour trouver la solution à un problème. C'était. Donc, tous ceux qui refusent de choisir, en général, croient en Dieu. Ils sont obligés de croire en Dieu. Tous ceux qui acceptent de choisir, même si Dieu existait, existerait, ne trouve pas la nécessité de le croire. J'ai écouté bien. Tous ceux qui refusent activement de choisir sont des adeptes de Dieu. Des adeptes d'une destinée, d'un Dieu qui gère tout, qui fait tout, qui arrange les situations, qui a pitié, qui choisit, qui prend, qui sauve les malades, qui guérit les morts, qui fait ceci. Ils sont obligés. Ce n'est pas qu'ils sont de mauvaises personnes. Le fait d'avoir refusé, d'avoir choisi de ne pas choisir leur vie, en général, les laisse victimes ou bien ouverts aux événements, aux situations de la vie, à l'existence, victimes. Et ils sont obligés de parler de destinée, de Dieu qui prend soin d'eux et machin. Mais celui qui a choisi, qui dit, je veux ça et je veux faire tout pour avoir ça, lui, même si Dieu existerait, ou existait, pardon, même s'il existait un Dieu, il ne trouverait pas d'importance de croire. Parce que sa vie sera ce que lui il veut. Pourquoi il devrait croire encore? S'il voulait même croire, ça devient un certain plaisir. Ça devient un jeu pour lui. Parce qu'il ne croit plus, ou bien parce qu'il ne croit plus que Dieu existe, il doit prier, il doit faire ceci, Dieu doit le sauver des maladies. Non. Il regarde, il parle de Dieu, il parle à Dieu, il parle si c'est de Dieu, comme il veut. Avec une certaine aisance, avec beaucoup de jeu, de liberté. Il n'y a pas de pression sur ses épaules. Pour le moment, 80% des Camerounais subissent parce qu'ils ont refusé de choisir. Non, ils ont choisi, pardon, de ne pas choisir. J'ai eu une discussion avec mon frère Bertil Kemit sur un de ses posts. Et il a répondu dans un de ses lives. On a eu des échanges un peu. Et Bertil Kemit disait ceci. Il me disait que lui parle des faits. Il y a le tribalisme, les Bamilékés sont des victimes, les Bamilékés sont ceci. Et il me dit que j'aille lire le livre de Mongo Betty sur les Bamilékés. Ce n'est pas lui qui dit, c'est un Betty, ce n'est pas lui, un Bamiléké, c'est un Betty qui dit que les Bamilékés allez, il m'a dit, va lire le livre. Et lorsqu'il a dit ça,
Bon, je n'étais pas étonné, mais j'ai compris que beaucoup de Camerounais ne comprennent pas. Lorsque vous lisez un livre, ce qui est écrit dans un livre ne vous oblige en rien. C'est vous qui donnez un sens à ce qui est écrit dans un livre et vous faites de ça ce que vous voulez. Ce qui est écrit dans un livre ne vous oblige en rien. Ce n'est pas parce qu'on est écrit dans un livre que les Bamilékés sont marginalisés ou bien sont le peuple qui a souffert, il y a une reine Bamiléké, que ça veut dire que c'est ce que vous devez faire. Parce que vous êtes des hommes libres. Vous pouvez choisir de changer l'histoire qui est dans ce livre. Si vous prenez simplement le livre pour confirmer ce que vous pensez, vous n'êtes pas différent d'un chrétien ou d'un musulman. Vous cherchez simplement à confirmer ce que vous pensez. Quand on lit un livre, quand on relit un livre, le but n'est pas d'aller confirmer ce qu'on pense. C'est comme ça que les chrétiens lisent la Bible. Ils regardent leur vie, ils ne voient tout. Ils vont lire la Bible, ils disent, Dieu guérit les malades. Et ils cherchent partout à confirmer que Dieu guérit les malades. Ils vont même jusqu'à tomber malade pour voir si Dieu guérit. Parce qu'il faut confirmer. C'est comme ça que l'esprit de l'homme fonctionne. Pour que l'homme se sente à l'aise avec ce à quoi il croit, il faut qu'il y ait de la confirmation dans son environnement. Voilà pourquoi il va marcher seulement avec les chrétiens. Ils vont parler tous la même chose. Si l'autre chrétien dit, oui, Dieu guérit les malades, il dit, ah, voilà, moi je pense que Dieu guérit les malades. L'autre dit aussi, oui, Dieu guérit les malades. Ah, si 10 personnes dans son quartier disent que Dieu guérit les malades, subitement il a l'impression que c'est vrai parce que tout le monde dit ça. Il aura la peine à lire un autre livre. Il va regarder les émissions de télé où on parle de Dieu qui guérit les malades. Il va aimer écouter les histoires des gens où on parle que c'est Dieu qui guérit les malades ou les gens qui vont dire que, oh Dieu m'a guéri, j'étais malade. Toute sa conscience, tout son état d'esprit va tourner autour de ces choses-là parce qu'il cherche à confirmer ce qu'il pense. Il ne cherche pas à connaître la vérité. Lui veut confirmer ce qu'il pense déjà. Donc, je disais à M. Bertie Le Kémy que, mais je n'avais pas le temps de discuter parce que je suivais ce live, j'étais au boulot et je disais à, je voulais faire comprendre que le livre, lorsque vous lisez les livres, ça c'est un autre aspect du life sur le tribalisme. Le tribalisme est une construction sociale. Et le tribalisme continue. Vous allez comprendre le lien avec ma première partie qui est la liberté. Le tribalisme continue parce que nous avons choisi de ne pas arrêter d'être des tribalistes ou de faire du tribalisme. Mais nous avons choisi passivement. Nous ne savons pas que ce que nous faisons, c'est du tribalisme. Le tribalisme continue. Le tribalisme contre les Bamilékés continue parce que les Bamilékés passivement choisissent de subir le tribalisme. Je ne renie pas que le tribalisme existe. Je ne nie pas que ça existe. Je ne nie pas que le gouvernement Biya a mis beaucoup l'accent dessus. Mais je dis que si ça continue, c'est parce que un certain nombre de Bamilékés ont choisi de ne pas faire autre chose que le tribalisme. Quand vous allez lire un livre de Mongo Betty, et que quand vous finissez de lire le livre de Mongo Betty sur les Bamilékés, je ne sais pas quoi, et que pour vous, ce qui en ressort, c'est la confirmation que le Bamilékés est marginalisé, vous n'avez rien changé au tribalisme. Le livre de Mongo Betty est appelé, pour quelqu'un qui est intelligent, il transforme cette histoire, ce passé, et décide, choisit de créer une nouvelle histoire. Une histoire plus belle.
pour que demain, quelqu'un d'autre écrit un livre sur comment les Bamilékés ont transformé le tribalisme en quelque chose et ça a transformé le Cameroun en quelque chose de beau. Ça veut dire que Bertie le Kamit ou le Kémit va lire Mongo Bertie. Il va sortir avec la confirmation que oui, je suis marginalisé, je suis Bamileke, je suis un peuple marginalisé, il fait partie du peuple marginalisé. Quand il va écrire le livre, il va écrire un livre comme pour Mongo Bertie. Il va encore écrire un deuxième livre que les Bamileke en 2018, il va écrire là-bas peut-être qu'en 2018, c'est le début de la destruction finale des Bamileke. Il va accentuer sur le tribalisme. Pourtant, il avait l'occasion de créer une nouvelle conscience. Une nouvelle idée, une nouvelle vision. Une vision qui transcende les tribus. Pourtant, il avait l'occasion. Mais il a choisi passivement de confirmer ce que Mongo Bertie a dit. Et il pense qu'il a gagné un pas de plus. Et il pense qu'il a gagné un pas de plus. Et il pense qu'il a avancé. Et que ce qu'il dit va libérer les Camerounais du tribalisme. Non, au contraire, ça va fortifier les adeptes de la souffrance des Bamileke. Ils vont encore dire, c'est vrai. Et vous allez voir des gens qui viennent là, les 200 000, 3 000 personnes qui suivent, 2 000 personnes. Oui, c'est vrai. Les Bamileke ont souffert, on ne peut pas quand même omettre ça. On ne peut pas quand même éviter ça. C'est la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Ce n'est pas la vérité qu'il faut dire. La vérité qu'il faut dire, c'est celle qui transforme les Camerounais. La vérité qu'il faut dire aux Camerounais, c'est celle qui les libère. Parce que nous sommes libres. C'est qu'il les libère des choses qui les tiennent en captivité. Pas celles qui confirment pourquoi ils sont en captivité. Pas celles qui confirment leur captivité. Le tribalisme n'est plus quelque chose où on doit dire que non, les Camerounais doivent être conscients qu'il y a le tribalisme. Les Camerounais doivent être conscients qu'il y a le tribalisme. Tous les Camerounais savent qu'il y a le tribalisme. Tous les Camerounais le savent. Tous les Camerounais savent qu'il y a le tribalisme. Tous. S'asseoir au 21e siècle et vouloir faire comprendre aux Camerounais qu'il faut qu'ils comprennent qu'il y a le tribalisme, c'est stupide. Ça veut dire qu'on a perdu des siècles et des siècles. Des années. À s'éduquer pour rien. À avancer. À apprendre. À sortir du pays. Avoir d'autres mondes. Ça veut dire qu'on a perdu notre temps. Ne peut que perdre le temps un homme qui n'est pas libre. Un homme qui a refusé d'être libre activement. Un homme qui a refusé de choisir sa vie activement. Il perd le temps. Si nous voulons que le tribalisme finisse, nous devons choisir activement de ne pas nous baser sur le passé. C'est un choix actif qu'on doit faire. De ne pas laisser l'histoire du passé nous aveugler. Avoir le dessus dans nos décisions, avoir le dessus dans notre vision du monde, avoir le dessus dans notre vision du pays. Nous devons être capables d'aller au-delà des pesanteurs, des souffrances, de l'histoire. Ce n'est pas facile, mais c'est le travail que nous devons faire. Et que ceux qui communiquent puissent avoir la hauteur de le faire. Ou alors ils se taisent. Mais ils sont libres. C'est ça la magie. Ils ne peuvent pas se taire parce que j'ai dit qu'ils se taisent. Parce que c'est des êtres humains libres. Ils sont libres de... Ils sont libres de faire du tribalisme. Ils sont libres de faire du tribalisme. Et si le tribalisme est une mauvaise chose, s'ils ne savent pas les effets du tribalisme, ils vont subir les conséquences du tribalisme. La souffrance tribale ne finira jamais. Mais s'ils sont conscients que c'est ce qu'ils veulent, non, ils seront contents. Ils vont faire la guerre tribale tout le temps et ça va aller. Mais s'ils ont
l'intention de changer les choses, ils doivent comprendre qu'ils doivent avoir un autre état d'esprit, une autre approche. Une autre approche. Une approche plus holistique, plus vaste que la simple confirmation des choses qu'on pense déjà soi-même. Nous sommes libres, chers Camerounais. Nous sommes obligés d'être libres. Nous ne pouvons ne pas être libres. Nous souffrons parce que nous n'exerçons pas notre liberté activement. Nous souffrons simplement parce que nous n'exerçons pas notre liberté activement, c'est tout. Parce que nous laissons la vie, Dieu, les choses se passer sans que nous ne participons. Nous laissons les choses nous arriver. Nous disons que nous ne faisons pas de la politique. Et depuis que nous ne faisons pas la politique, regardons combien nous souffrons. Depuis que nous avons choisi de ne pas faire la politique, regardez comment on souffre. Regardez comment nos vies sont merdiques. Depuis que nous avons choisi de ne pas choisir Kamto, regardez comment nos vies sont merdiques. Depuis que nous avons choisi de ne pas choisir Biya, regardez comment nos vies sont merdiques. Depuis que nous avons choisi de ne pas choisir Cabral, regardez comment nos vies sont merdiques. Donc, choisir de ne pas choisir, c'est choisir. C'est exercer sa liberté. Mais c'est stupide de l'exercer de cette façon. Parce que quel qu'en soit le choix, que ce soit choisi de ne pas choisir, que ce soit choisi en pleine conscience, les deux choix, les deux façons de choisir portent des conséquences. Et nous sommes responsables, nous allons les porter. Nous sommes obligés de subir les conséquences lorsque nous avons choisi de ne pas choisir. Personne n'aura pitié. Il n'y a pas de pitié dans ça. N'attendez pas que le régime Biya se lève, que ses militants ou je ne sais pas quoi, son groupe de personnes qui eux veulent maintenir, qui veulent se maintenir au pouvoir se lèvent et disent « Ok, oui, le code électoral sera modifié, on permettra que les Camerounais... » Ça ne viendra jamais. Parce que eux, ils savent qu'ils sont libres de choisir activement. S'ils veulent rester au pouvoir, ils doivent être libres. Ils sont plus éveillés que vous. Ils sont plus conscients de l'importance du pouvoir que vous. Parce qu'ils ont fait le choix actif. Alors, ils ne peuvent pas faire des erreurs pareilles. Vous devez leur mettre la pression de telle sorte qu'ils sachent que vous avez pris le choix actif cette fois-ci. Que ce code électoral sera nettoyé, même contre leur volonté. Mais il faut qu'ils sentent que vous êtes cette fois-ci actif, que vous êtes cette fois-ci présent, que c'est une soif, que c'est une demande active du peuple camerounais. Ne laissez pas ce travail à un politicien. Il ne pourra pas seul. Il ne pourra pas seul. D'ailleurs, Maurice Kamto, le président élu, est activement dans son rôle. Il fait appel, il précise, il a même corrigé. Il a fait des propositions au nouveau code électoral. Est-ce que vous avez pris la décision active d'aller lire ce qu'il a dit? Personne ne veut lire. Vous voulez vous libérer. Les gens ne veulent pas lire. Les gens veulent qu'on lise, on leur dit ce qu'on a lu. Vous voulez qu'on lise, qu'on vous dise ce qu'on a lu. Mais vous devez, c'est le travail à faire. Il faut nous-mêmes qu'on commence à apprendre à lire, à écouter,
à participer, à commenter, à partager. C'est ça être libre activement. C'est aussi ça, c'est ça être libre activement. C'est ça être libre activement. Maurice Kamto a corrigé, il a proposé. Maurice Kamto a proposé, corrigé, donné les propositions. Mais si vous ne vous accordez pas, si vous, vous ne vous accrochez pas, si vous, vous ne participez pas, vous dites, ok, c'est la politique, ça ne me concerne pas, de toute façon, qu'est-ce qu'il a même dit? D'abord, je ne suis même pas au courant. Vous n'allez jamais, rien ne va changer. Rien ne va changer au Cameroun. Rien. L'eau sale va couler à vita aeternam. L'eau sale va couler à vita aeternam. L'eau sale, la poussière, les maladies, la tuberculose, tous les virus, tout ce qui est mauvais là, qui entre, qui vous, que vous pleurez dans l'équinoxe tous les jours là, ça va continuer à vita aeternam. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils ont choisi activement de vous retirer de l'eau, l'éducation, la santé. C'est fait. Ils sont conscients de ça. Ils savent comment ça marche. Sinon, pourquoi ça fait 40 ans déjà, près de 40 ans. Ils sont devenus maîtres dans la gérance de vos souffrances, dans la gérance de vos peines, dans la création de vos misères. Ils sont devenus maîtres dans ça. Ne croyez pas qu'ils auront subitement un regain, un sursaut d'humanité parce qu'ils doivent vous libérer. Aucun homme ne peut te libérer. Aucun autre homme ne peut te libérer. Aucun autre homme ne peut me libérer, moi, aucun autre. Aucun autre homme ne peut te libérer. Aucun autre homme ne peut me libérer. Moi, personne ne peut me libérer de quoi que ce soit. Aucun. Donc, aucun autre homme, aucune institution, aucun État, aucun président américain, aucune ONU, aucune France ne va libérer le Cameroun. Écoutez très bien, c'est impossible, c'est impossible. Ils ne peuvent même pas penser à libérer le Cameroun parce que ce n'est pas dans la nature des choses. C'est contre nature. Nous sommes obligés de nous libérer. Parce que nous sommes des hommes libres de nature. Parce que nous sommes ceux qui pouvons construire notre destinée. Le Cameroun que nous voulons est entre nos mains. Et nous sommes les seuls qui pouvons créer ce Cameroun. Nous sommes les seuls, il n'y a pas une autre personne qui peut. Il n'y a rien d'autre qui peut. Si quelqu'un vous dit que il viendra vous libérer, c'est un menteur. Même si c'est Dieu qui vous dit, même si c'est Jésus qui vous dit qu'il vient vous libérer, il ment. La preuve, il est là. Vous êtes là. La preuve, vous êtes là. Écoutez, même si c'est Jésus qui vient vous dire qu'il va vous libérer, il ment.
Même si c'est Dieu qui dit qu'il va vous libérer, il ment. Personne ne vous libère. C'est nous, en tant qu'individuels et collectivement, individuellement et collectivement, qui, si nous avons intégré que nous sommes libres et que nous avons l'obligation de choisir, alors décidons de choisir. C'est mieux de décider de choisir que de décider de ne pas choisir. Car lorsque nous décidons de choisir, nous sommes acteurs de notre choix. Nous sommes participants. Nous sommes les créateurs, les façonneurs, les bâtisseurs de notre réalité, la réalité que nous voulons. Mais si nous décidons, si nous choisissons de ne pas choisir, si nous décidons de ne pas choisir, nous sommes donc les consommateurs, les subisseurs, les esclaves de ceux qui ont décidé de choisir activement. Et c'est toujours eux qui gagnent. Comprenez-le. À la fin du jeu, c'est toujours ceux qui ont choisi activement qui gagnent. Bonjour Tracy, Alex, Francis, ne mets pas les organes. Je mets tout dedans. Je mets tout dedans, man. Tout. Ceux qui gagnent toutes les batailles de libération, c'est ceux qui ont choisi activement, comprenez-le. C'est le peuple, c'est les citoyens qui ont accepté, qui ont choisi d'agir activement. Ceux qui perdent toutes les batailles, c'est ceux qui ont choisi de ne pas agir. Parce que tout le monde choisit. Ceux qui ont choisi passivement. Il n'y a pas plus grande dignité que la liberté. Voilà pourquoi lorsqu'on veut punir un homme, on le met en prison, on lui retire la liberté, au moins la liberté physique. On lui met des chaînes. Lorsqu'on veut faire souffrir un homme, on lui retire la liberté. Lorsqu'un homme souffre, par exemple, il est malade. La maladie, c'est quoi? La maladie, c'est la rétention de la liberté de son corps. Lorsque ton corps fonctionne bien, tes organes fonctionnent bien, ton corps fonctionne bien, you feel free. Tu es libre de monter, de descendre, de sauter, de danser. Mais la maladie, c'est quoi? C'est la prison pour ton corps. Et chaque fois que tu cherches la prière libre, tu cherches à te libérer de la maladie. C'est-à-dire que tu cherches à te soigner. Parce que ton corps te dit, je ne peux pas sans liberté. Je ne peux pas si je ne suis pas libre. Est-ce que ton corps te dit? Et toi, tu cours chercher le médecin, le médicament, le machin. Et lorsque le corps reprend, toi, tu sens comment tu respires. Ah, tu peux déjà faire la main comme ça. C'était cassé hier. Lorsque tu as soif,
tu sens comment ton corps est privé d'eau. Ton corps veut s'hydrater. La soif, c'est la prison pour ton corps. Lorsque tu bois, tu sens. Tu sens comment... Ah! C'est ça la liberté. La liberté est intrinsèque à nous. La liberté n'est que jouissive. Lorsque nous portons les responsabilités, elle s'accompagne de responsabilités. Vous ne pouvez pas jouir de la liberté si vous n'êtes pas prêt à porter les responsabilités. Vous ne pouvez pas. Et la responsabilité est celle que nous devons prendre. Celle de choisir, de nous inscrire dans les listes électorales. Massivement. De choisir un politicien qui est pour nous celui que nous on pense. Je ne vous oblige pas. La liberté c'est ça. Je ne veux pas vous dire choisissez Kamto. Non, je ne vous dis pas ça. Je ne vais pas vous dire choisissez Kamto. Non. Moi, j'ai choisi Kamto. Parce que j'ai regardé activement. J'ai suivi. J'ai été actif. J'ai lu. J'ai suivi. J'ai vu. Et tout ce qu'il a fait m'a convaincu. Ça parle, ça me parle. C'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai choisi activement. Parce que si même Kamto arrivait au pouvoir, et que je n'avais pas choisi Kamto, je suis un prisonnier. Si même Kamto arrivait au pouvoir, et que je n'avais pas participé à ce qu'il arrive au pouvoir, je ne vais pas jouir de la liberté. Je ne vais pas comprendre. Je serais toujours en train de subir comme je subissais au temps de Paul Biya. Quelqu'un qui subit, quelqu'un qui ne choisit pas, ou bien qui choisit de ne pas choisir, subit toutes les gouvernances. C'est ça. Ce sera un misérable à vie, je vous dis. Le peuple camerounais doit choisir. Sinon, s'il est misérable à vie, à vie. Si je ne choisis pas Cabral et que Cabral devient président et que j'ai consciemment choisi Kamto, mais c'est Cabral qui est devenu président, même la gouvernance de Cabral, je ne vais pas la subir. Écoutez très bien. Si j'ai choisi consciemment Kamto et que la grande majorité camerounais choisissent consciemment, de manière peut-être indirecte, de manière laxiste, Cabral, moi qui ai choisi Kamto consciemment, je ne vais pas subir le gouvernement ou la gouvernance de Cabral. Je ne vais pas la subir. Parce que je serai responsable. Je vais dire, ok, ce n'est pas encore Kamto qui est venu, c'est Cabral qui est là parce que il y a eu des faux. Parce que par exemple, je prends juste l'exemple. Donc, même pendant la gouvernance de Cabral, je serai actif. Actif dans la vie politique, dans la destinée des choses de mon pays. C'est ça, un homme qui a choisi. Choisi ne veut pas dire que ce que vous avez fait, choisi en politique, c'est ça qui va arriver. Non. Il y a des gens qui ont choisi Kamto, mais Kamto n'est pas président. Mais quelqu'un qui a choisi activement Kamto ne peut pas être frustré maintenant. Au contraire, il y a du travail. Il y a de la dynamique. Il y a à faire. Il n'est pas dans les frustrations. Ouais.
Ouais, dans ce pays, vraiment, on a un problème. Le problème, c'est le tribalisme. Le problème, c'est ceci. Le problème, c'est ceci. Non, ce qui nous bloque, c'est le bille qui me bloque. Non, 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 non. Quelqu'un qui a choisi activement Kamto. Remarquez que le président élu Maurice Kamto ne se plaint pas. Il n'est pas dans les c'est ceci, c'est cela. Non. Le gars walk. Le gars continue à faire sa chose. Il fait ce qu'il a à faire, ce qu'il sait bien faire. C'est les gens qui ont subi l'avènement de Kamto en 2018 qui souffrent. C'est eux qui sont frustrés. Parce qu'ils avaient cru que c'était leur chance. Puisque je vous dis, les gens qui choisissent de ne pas choisir attendent les chances dans la vie. Ils attendent que les choses se passent comme ça. Que, hey, Kamto, président, oh, hey, le pays a changé, le pays a changé. Eux, ils n'ont pas changé. Eux, ils n'ont pas participé au changement. Mais le pays a changé. C'est des prisonniers. C'est des prisonniers ambulants. C'est des esclaves. C'est des esclaves. Ils sont victimes. C'est un peu comme les gens qui sont obligés d'être tribalistes parce que ils ont été tribalisés. Vous avez un peu des personnes qui vont vous dire, moi maintenant, je défends la cause, c'est ma cause, la cause des gens du Nord. Je défends la cause des gens du Nord. Parce que les gens du Sud ont gâté le pays. Je défends la cause. Maintenant, moi, ma cause, c'est les gens du Nord, c'est ma cause. Ils sont obligés de défendre les gens du Nord. Parce qu'ils subissent les conséquences des gens du Sud. Donc, la défense des gens du Nord n'est pas une défense légitime. C'est une défense qui est la conséquence que les autres ont défendu ceux du Sud. Comme les Bétis ont beaucoup menacé les Bamileke, alors moi, je défends d'abord les Bamileke. D'abord, je défends les Bamileke. Parce que c'est un peuple, c'est mon peuple. Je défends d'abord les Bamileke. Non, mais tu crois que tu es... En fait, tu es subi. Tu es juste une victime. Et lorsque j'ai dit à mon frère Bertie Kemi que tu veux faire des Bamileke des victimes, mais tu ne comprends pas. Tout Bamileke qui est dans les bois du Bamileke, il a souffert, c'est une victime. Ce n'est pas un homme responsable. Ce n'est pas quelqu'un qui peut changer quoi que ce soit dans la vie. C'est un gros bébé. Tout boulot qui je suis. Les Bamileke me maltraitent parce que je ne suis pas Bamileke dans le MSC. Comme je ne suis pas Bamileke, alors que je défends, alors que je supporte Kamto. Ce sont des victimes. Et ils ont toujours été marginalisés parce qu'ils ont toujours été des victimes. Ils ont toujours été des victimes. La victime, c'est celle qui subit le choix actif des autres. Vous allez même voir, il y a d'autres qui vont vous dire, c'est parce qu'on m'a insulté que j'arrête le combat. J'arrête le combat, je sors de tel parti, je sors du parti ici. Je sors du parti ici. Oui, 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 c'est un parti qui est désorganisé, c'est un parti qui où on n'écoute personne, n'aime pas la critique, c'est un parti, c'est des victimes. Ils subissent la désorganisation des autres. Ils n'ont pas le courage assez de présenter à ces autres comment on peut organiser. Les victimes sont toujours en train de fuir d'une proie à une autre. C'est des victimes. Des gens qui ont choisi de ne pas choisir. Oh, je suis... vous allez voir même dans le mariage. C'est dans tous les niveaux. Vous allez voir même dans le mariage.
Voulez-vous épouser cette femme pour votre femme? Oui. Voulez-vous faire ceci? Oui. Vous pensez que c'est consciemment fait? Les oui qui sortent là, c'est la routine de tous les jours. Dès qu'ils entrent dans le mariage et qu'ils constatent la réalité de vivre ensemble, je divorce, je pars aujourd'hui, non, je ne peux plus, c'est pas comme ça que j'avais vu. Des victimes, ils sont victimes en amour, victimes en tout. On n'aime même pas, on ne m'a pas fait les bisous, on ne m'a pas fait bien l'amour, on ne m'a pas donné l'argent, on ne m'a pas... Non, des victimes. Des victimes, chers Camerounais. Une société de victimes. Parce que l'homme ou la femme qui prend la décision consciente, active, de choisir tel homme ou telle femme, lorsqu'il entre dans le foyer, il est actif dans son foyer. Ça veut dire qu'il participe au bien-être de son foyer chaque quotidiennement, chaque jour, il est actif. Il ne fuit pas au premier mécontentement ou désaccord. Non, il cherche, il œuvre, il travaille à rendre les choses en accord, à faire comprendre à autrui, à l'autre, que voici moi ma raison, voici ce que je pense. C'est une dynamique. Lorsqu'il entre dans un parti politique, il ne va pas dans un parti politique juste pour dire « je suis dans un parti politique ». Non. Il œuvre activement. S'il trouve même des défauts, il crée des trucs, il crée des rencontres, il forme des rencontres, des discussions, des tables où on développe des thèmes qui peuvent être des thèmes libérateurs. Où les gens, quand ils sortent de la réunion, ils peuvent rentrer en train de réfléchir quelque chose, un autre aspect de leur vie. Le parti politique, c'est pas seulement un endroit où on achète les cartes et on porte les châles. On réfléchit sur des thèmes profonds dans les partis politiques. C'est pas que dès qu'on arrive dans un parti politique, j'ai dans un parti politique parce que je voulais être maire. Dès qu'on arrive là-bas, on n'est pas maire, on commence. Oh, vraiment, c'est un machin. Ça, c'est les victimes. La mentalité des victimes, des gens qui ont choisi de ne pas choisir. Tu as choisi ta femme, oui. Mais tu as choisi ton mari, oui. Les victimes. Oh, la SCSI, la CSI, machin, ils ont mal fait, ils ont fait ceci, c'était pour nous faire mal, c'était pour nous déstabiliser, des victimes. Des victimes, on veut toujours les déstabiliser, on veut toujours les tuer. Pourtant, ils sont appelés à œuvrer. Ils sont appelés à œuvrer. Passe activement, pardon. Activement à ce que la vision du monde, la vision de la politique, puisse être comprise par les autres. Et les victimes sont des dictateurs. Vous avez vu les victimes qui marchent à Yaoundé, à Douala? Allez les écouter dans les églises. Oh Seigneur, donne-moi le mari, donne-moi la femme, je veux le travail. Mais c'est des petits dictateurs peureux, les victimes. S'ils n'ont pas le travail, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas la nourriture. Seigneur. Seigneur. J'ai compris. Ok, j'attends, Seigneur, j'attends. Tu as refusé ça aujourd'hui, non? Ok, Seigneur, c'est toi qui connais mon jour, l'heure. Comme tu as dit, il prend la Bible, il confirme sa périte. Il prend la Bible, il l'ouvre. Genèse chapitre, Joseph, machin, a dit, nul ne connaît le jour, ni l'heure.
Amen, Seigneur. Toi-même, tu connais le jour et l'heure. Si Dieu connaît le jour ou l'heure, pourquoi tu passes ton temps à aller prier? Pourquoi tu passes ton temps à répéter les mêmes prières? Tu as lu que Dieu connaît le jour et l'heure. Reste tranquille. Reste tranquille. Attends les choses. Dieu va venir te servir ça. Non. Le dictateur repart encore dimanche. Il fait encore la même prière. Le dictateur, il repart encore dimanche. Il dit à Dieu. Une façon de dire à Dieu, je n'étais pas trop content hier. Tu n'as pas répondu à ma prière. Seigneur, me voici encore devant toi, mon ton fils. Vas-y. Ma prière de la dernière fois. Je n'ai pas le travail. Je n'accouche pas. Les gens se moquent de moi. Oh Seigneur. Mais hier tu as lu. Il a dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Reste tranquille, mon fils. Pourquoi tu repars? Parce que tu es un petit dictateur. Parce que tu es quelqu'un qui refuse d'agir dans ta vie. Parce que tu es quelqu'un qui refuse de faire les choix actifs. Tu veux la facilité, les choix passifs. La chance, la malchance. Voilà pourquoi vous allez voir les petits dictateurs là, ils crient, ils prient chaque jour pendant il y a peut-être même 40 ans, 5 ans. Vous voyez, le monsieur a 5 ans, il prie. Et allez regarder leurs prières. C'est les mêmes prières. Ça veut dire que le oué n'a pas changé. Mais il n'arrive pas à voir que la prière ne peut pas. Allez écouter leurs prières. Demandez-leur. Même par curiosité, vous connaissez une soeur, un frère de l'église demandez-lui qu'il y a un calepin, demandez-lui qu'il vous montre un peu peut-être les prières que Dieu a déjà exaucées dans sa vie. Ou bien suivez-les. Les mêmes prières depuis 100 ans aujourd'hui. Les mêmes demandes. Rien n'a changé, rien. Quelques petites modifications de quelque chose et boum, on retombe encore dans le même caca. Rien n'a changé, cher Camerounais, rien. Le Cameroun s'en va de pire en pire, en pire, en pire. De pire en pire, de pire en pire. Le nombre d'habitants augmente. La quantité d'eau diminue. Le nombre de maladies dans le monde augmente. La quantité de moyens de santé diminue. Le nombre de populations augmente. La quantité d'écoles diminue. La qualité de l'école diminue. À croire que toutes ces prières que si Dieu existait, il est en train de leur montrer le troisième droit. On voit maintenant des jeunes Camerounais qui sont là, qui font la pornographie dans les écoles et filment. Il y avait la pornographie quand j'étais au lycée, chers Camerounais. Partout où je suis passé, la pornographie au Cameroun, c'est pas nouveau. Dans les écoles. La pornographie au Cameroun, c'est quotidiennement. Le Cameroun est un pays pornographique. Vous ne pouvez pas être autant misérable et ne pas être pornographique. Ces jeunes enfants font seulement de la... Ils naissent dans la pornographie. Ce sont des victimes. La preuve, des journalistes sont allés pour vouloir les échanger, je ne sais pas quoi, prendre les informations. On a pornographié sur les journalistes, on a battu les journalistes. Qui bat les journalistes? C'est des pornographes. Un homme qui a tous ses sens ne peut pas
qui comprend que l'autre homme est libre ne peut pas battre sur l'autre homme. Un homme qui a intériorisé sa propre liberté, nature libre, ne peut pas battre sur un autre homme. C'est celui qui pense qu'il n'est pas libre, qui est pauvre de la connaissance qu'il est libre, qui bat les autres. Il traite les autres comme lui, comme des prisonniers. La pornographie que vous voyez là, vous ne pouvez pas dormir dans une maison, dans un taudis, à une chambre avec 3 enfants, et vos enfants n'apprennent pas à coucher avec les enfants à 10 ans. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vivre dans des milieux aussi précaires où les gens sont... La promiscuité est le mode normal de fonctionnement. Comme des poules dans des magasins, comme des bêtes dans des enclos. Vous ne pouvez pas vivre comme ça et ne pas être pornographique. Chaque jour, vous êtes en flottement, votre mère qui est sans caleçon, votre père sans caleçon, votre frère torse nu, votre soeur torse nu. Vous vous flottez dans les deux chambres, dans les une chambre. Comment vous ne voulez pas que les oncles coupent, violent, les tantes prennent, les enfants, et qu'ils rentrent, puisqu'on les défend à la maison, ils vont donc vivre ces choses-là dans les écoles. Et en plus, maintenant, il y a l'Internet. Ça rapporte. Des vidéos de jeunes filles, de jeunes garçons, des lycées mis sur les internets, on leur demande de faire ces choses. On met dans des réseaux pornographiques et les gens regardent, ça rapporte des sous. Voilà où on va aller. Nous sommes en train d'aller dans un pays où on va gagner de l'argent sur internet. Pas parce qu'on a créé une application, pas parce qu'on a apporté un service transformateur. Non. C'est plus facile de gagner de l'argent avec la pornographie dans l'Internet. Il n'y a aucun métier qui peut rapporter plus que la pornographie. Si tu ouvres ton magasin de chaussures, ce n'est pas toujours sûr que ça va vite aller. Mais mets une vidéo pornographique de toi dans un site. Le même soir, tu auras 40 000 vues. Je dis, 5 minutes après, tu auras 40 000 vues et des likes et des commentaires que bravo, continue. Vous ne pouvez pas avoir des enfants qui vivent dans les milieux où les parents n'ont pas de quoi manger 3 fois par jour, où habiter, ils sont dans l'inondation, où il y a les maladies, et espérer que ces enfants ne trouvent pas d'autres moyens de s'évader de cette misère. Parce que lorsque un fait une fellation à l'autre, le moment où il fait la fellation à l'autre, il oublie qu'il n'a pas mangé. Il oublie les souffrances de sa maison, de son père, de la nuit blanche, les moustiques. Il les oublie pour au moins le moment de la fellation. Au moins le moment de cette activité où il gérit. Ils oublient la misère. Vous ne pouvez pas changer. Je vois les gens qui disent que ce sont les parents. Est-ce que c'est le gouvernement qui doit? Non, ce n'est pas le gouvernement qui doit. Le gouvernement ne doit pas éduquer les enfants. Le gouvernement est supposé créer des conditions de telle sorte que chaque parent soit capable d'éduquer son enfant. C'est tout. C'est tout ce qu'un gouvernement peut faire. Un gouvernement ne peut que créer des conditions de telle sorte que chaque parent soit capable de prendre soin de ses enfants. Le gouvernement n'a pas le rôle de prendre soin des enfants des gens. Mais le gouvernement n'a pas fait ça. Il n'a pas créé ces conditions. Et on accuse les pauvres parents. On accuse la jeunesse. Ce sont des victimes. Le jour où la jeunesse, le jour où les parents, et les parents sont en train de se défendre. Non, on ne peut pas. Non, les parents, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Ce n'est pas ça la défense. Vous devez prendre activement votre responsabilité. Ça veut dire que vous devez faire le choix actif d'agir contre un gouvernement qui ne crée pas des conditions pour que vous puissiez prendre soin bien de vos enfants. Donc ici, il ne suffit pas d'accuser le gouvernement ou accuser les parents. Il faut qu'on regarde les choses factuelles. Nous n'avons pas pris
conscience que nous sommes des êtres humains libres. La pornographie que vous voyez là, c'est nous qui avons, on aime la pornographie. Parce qu'un père qui n'aime pas la, qui trouve que la pornographie n'est pas quelque chose de transcendantal, va se soucier beaucoup des conditions dans lesquelles lui-même, il vit. Il va se soucier de la façon dont il se reproduit. Il va se soucier de l'environnement où il vit, des conditions de vie. Est-ce que je gagne de l'argent? Quel style de, quel niveau d'argent? Quel endroit où je peux vivre? Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai de l'eau? Est-ce que j'ai... Parce que toutes ces conditions-là déterminent la mentalité des êtres humains qui vont vivre là. Et lorsqu'il n'a pas ça, il va s'activer. Comment est-ce que je dois avoir ça? Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir ça? Et il va constater qu'en parlant à son voisin va lui dire que moi aussi je n'ai pas de l'eau, l'eau ne coule pas chez moi, l'électricité ne passe pas chez moi. Et ils vont donc s'organiser en partis politiques, en société civile, en groupe de personnes qui vont donc mettre la pression et qui vont faire des exigences. C'est ça la politique. Ça commence d'abord par le fait que tu constates que je suis un homme libre. Quelle est la condition de ma vie d'abord? Avant d'aller taper sur des enfants, tirer sur ceci, taper sur les professeurs, ça c'est le désordre des gens qui ont remis leur vie entre les mains de Dieu. Alors Dieu dit à vos enfants, faites les vidéos pornographiques. Et Dieu ne leur laisse, Dieu n'a pas, quand les enfants font les vidéos pornographiques, et ça passe à la télé, Dieu n'apparaît pas pour leur dire, mes fils, mes petits-fils, ce que vous faites là n'est pas bien, c'est immoral. Non. Je vous dis que Dieu n'a pas le sentiment s'il existait. Vos enfants vont passer à la télé. La honte, on va vous inviter à l'école pour montrer. Voici ce que vos enfants font. La honte va vous ramasser. La honte. Vous serez humilié parce que vous avez refusé de choisir de participer activement à la vie politique, à l'organisation de votre société. Vous avez refusé. Vous allez voir pire que ce que vous voyez. Aujourd'hui, c'était encore les filles qui faisaient avec les garçons, non? Vous allez voir les garçons et les garçons, vos enfants. Écoutez, ce que je dis là, c'est une prophétie. Bien que je ne sois pas prophète, la nature des choses, l'allure des choses nous disent la suite souvent. Quand on prête, quand tu prêtes, bien. C'est pour ça qu'on fait la météo. La météo, on regarde les vents, on dit que okay, les vents vont aller dans telle direction. Demain, il va pleuvoir à tel endroit. Ceux qui ont une perception plus loin peuvent voir la suite. Ce n'est pas la magie. Il faut juste élever la niveau de perception. Vous allez voir des vidéos dans les écoles où ça sera garçon, garçon, fille, fille. Vous allez voir d'autres dans les maisons entre parents et enfants. Personne ne va vous épargner de ça à part vous-même. Personne ne va vous épargner à part vous-même. Voilà pourquoi même le soi-disant gouvernement, les professeurs sont surpris. Les enfants viennent avec des machettes à l'école, ils disent qu'ils vont braquer les yeux. Les gens sont surpris. Moi, ça ne me surprend même pas, même un peu. Vous ne pouvez pas vivre dans dans un milieu aussi précaire, dans des conditions aussi maladives, presque, des conditions presque inhumaines, et espérer voir des choses bonnes sorties de là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, cher Cameroun, on ne peut pas. On ne peut pas. Jean-Marie demande si c'est l'apocalypse. Mais
L'Apocalypse, c'est le Cameroun, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse, ce n'est pas ce temps qui va venir après un jour, tout sera éteint. Non. Le Cameroun, c'est l'Apocalypse. Le problème n'est pas que les jeunes font le sexe. Mais ils ont l'âge de faire le sexe. Parce que pour faire le sexe, il faut que ton corps soit préparé à le faire. Le problème n'est même pas que les jeunes fassent le sexe. Ce n'est pas là le problème. Les jeunes font le sexe aussi ici. C'est la façon bestiale. La façon inhumaine. C'est la façon qui est amorale. Ce n'est pas le sexe qui est amoral. Immoral, pardon. C'est la façon. C'est les chèvres qui font le sexe comme ça. Les chiens font... Vous marchez en route, subitement, vous voyez deux chiens collés. Mais l'être humain, même le sexe, il cherche à embellir l'espace. Il bougie ici, propre là, petit coin, petite fleur ici, petite musique au cas où. L'être humain a ce côté-là que les animaux n'ont pas. Quand vous voyez une société qui a perdu ce côté esthétique, elle veut dire que où le sexe commence à se faire dans la rue, c'est fini. C'est l'Apocalypse. C'est le degré bas de la... C'est l'animal qui est en train de fonctionner au Cameroun. Racine dit... C'est le niveau à atteindre. L'animal, c'est les animaux qui font le sexe comme ça. Le problème, ce n'est pas le sexe. C'est les animaux qui font. C'est la façon dont c'est fait. Mais vous ne pouvez pas vivre dans un monde, dans un pays, que vous avez créé en jungle. Vous avez, parce que vous avez refusé de participer à la politique. Parce que vous avez refusé d'être actif. Vos enfants vont devenir des animaux. Je vous ai dit, une fois dans un commentaire, j'ai dit ceci. Si on continue comme ça, nos enfants seront obligés de parler avec les animaux d'ici 5-10 ans. Quand je suis les discours qui sont dans les chaînes de télé, dans les tables, machin, une ignorance incroyable du fonctionnement de l'être humain. Une ignorance criarde du fonctionnement de la psyché humaine. Si on continue comme on continue, ça c'était encore en 2019, je pense que j'ai eu à dire ça. D'ici 5-10 ans, nos enfants seront obligés de converser avec les chiens et les chèvres. Parce qu'il n'y aura plus d'hommes avec qui parler. Ouais, Racine. Pouah, c'est... Non, je doute pas, hein, puisque je ne sais pas ce qui n'est pas possible au Cameroun. Les gens vont bouffer la chair humaine. Vous ne pouvez pas être dans un milieu où l'éducation est aussi basse. Quand vous n'éduquez pas les gens deviennent de moins en moins sensibles. Lorsque vous n'éduquez pas les gens, écoutez très bien, nous sommes d'abord des animaux au départ. Ce qui nous différencie avec les animaux, c'est que nous, on peut nous éduquer, on peut s'éduquer. On peut développer des capacités comme l'esthétique. Vous ne verrez jamais une chèvre faire la peinture. Ou bien embellir, nettoyer, mettre des fleurs, faire un jardin. Ce n'est que l'homme qui est capable de ça. Mais ça vient quand l'homme est rendu homme, est éduqué. Vous ne pouvez pas empêcher que les gens mangent la chair humaine. Parce que la chair humaine, en fait, n'est pas une mauvaise chose. La chair humaine ne fait pas de mal à quelqu'un. C'est l'animal. Si vous coupez un morceau de porc, on vous met un morceau d'homme là, vous n'allez pas faire la différence. Donc le problème, ce n'est même pas la chair humaine. On ne mange pas la chair humaine parce que ce n'est pas esthétique. Quand tu respectes un autre humain, quand tu connais ta valeur humaine et tu respectes un autre humain, quand ton niveau d'éducation est aussi sensible, élevé, tu deviens sensible aux choses qui te sont semblables. Mais vous baissez le niveau d'éducation des gens. Vous baissez
leur niveau de vie. Vous détruisez tout ce qui peut rendre fait de des hommes et vous attendez à ce qu'ils mangent quoi. Qu'ils mangent quoi? Ils vont manger les hommes. Ils ne vont pas manger les hommes pas parce qu'il n'y a pas le rat. Ils vont manger les hommes parce que ça fait partie de leur niveau de compréhension, de vie, de façon de faire. Ils ne sont pas éduqués. Parce que lorsque tu manges même simplement de la viande que vous voyez là, que la viande de porc, la structure moléculaire est tellement complexe que lorsque tu la manges toi-même, ton corps a la peine de désintégrer ou d'intégrer cette structure moléculaire. Voilà pourquoi les gens qui mangent de la viande, beaucoup machin, les gens sont constipés. Le corps, notre corps, parfois a des problèmes de manger ou d'intégrer des choses complexes. Combien de fois l'homme? L'homme, la chair de l'homme, c'est le corps. Mais il faut l'éducation pour ça. Mais il faut qu'on éduque les Camerounais. On ne peut pas retirer le corps aux Camerounais et à s'attendre à ce qui ne mange pas les êtres humains. La chair, si là, ça là, c'est la banane, c'est le coquille, c'est le cuit, c'est le couscous digéré déjà. Donc si je mange ça, mon corps ne reçoit pas grand chose. Encore pire, si je cuis. Ça va juste remplir mon intestin. Et ça aura la peine à sortir par derrière. C'est tout. Mon corps ne reconnaît pas ceci comme étant un aliment. Parce que ça, c'est déjà digéré. Ça, c'est déjà le produit de quelque chose digéré. Donc, il y a tellement de choses. Je dis qu'il y a tellement de choses qu'il y a le travail. Il y a le travail au Cameroun. Il y a le travail à faire. Mais c'est très facile de construire les maisons. Comme je vous ai dit, c'est très facile d'aller au Cameroun et construire les maisons. C'est très facile d'aller au Cameroun et construire les routes. C'est très facile de construire les stades. C'est très facile d'aller construire. C'est facile. C'est difficile de construire les hommes. Et la politique, en fait, traite. La politique ne traite pas des routes. Le politicien n'est pas un expert en génie civil ou bien en quoi, en construction de ponts. Non, non. La politique, c'est en fait la création des hommes. Bien penser. Mais pour bien penser, il faut d'abord que des conditions soient remplies. Une condition mentale, c'est d'intérioriser que je suis libre. Je suis un homme libre. Je suis libre parce que je suis un homme. Ce n'est pas quelque chose qui me donne ça. On ne me donne pas liberté. Je suis libre parce que je suis un homme. Mais maintenant, j'ai deux façons d'exercer ma liberté. Soit je les exerce passivement, soit je les exerce activement. Soit je les exerce passivement, soit je les exerce activement. Si je les exerce passivement, ça veut dire que je choisis de ne pas choisir. Je laisse les choses arriver comme elles veulent. Alors je serai victime. Je suis une victime, je suis un esclave des événements et des situations. Mais si je choisis activement, ça veut dire que je choisis de choisir. Alors je deviens acteur de ma vie, acteur de ma réalité. Ce sont les deux aspects. Malheureusement, le peuple camerounais actuellement, si le régime Biya, qui ne leur donne pas de l'eau, de l'électricité, le courant, l'éducation, qui a rendu presque tout, qui a créé toutes les conditions pour qu'on ait tout de mauvais, est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que les Camerounais, étant des hommes libres, ont choisi de ne pas choisir. Ils ont choisi de ne pas choisir. Ils se sont abstenus d'exercer le choix. Mais ils ont oublié que ne pas choisir, c'est choisir. Donc, j'appelle aux Camerounais
Je vous appelle, chers Camerounais, à exercer cette fois-ci. Si vous voulez que vos cris soient enfin écoutés, si vous voulez que l'eau potable coule dans ce pays un jour, si vous voulez que vos enfants à 90% soient sûrs d'aller à l'école, apprendre et rentrer vivants, ou bien rentrer sans qu'on ait creusé des trous sur eux, qu'on ait creusé des trous sur eux, vous êtes donc appelé cette fois-ci à exercer votre liberté active. Ça veut dire que vous devez participer, vous devez choisir. Ça ne se fait que dans la politique, à travers la politique. Vous devez choisir le politicien, le parti politique, la vision politique qui se rapproche le plus, parce que rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Rien. Donc, la vision politique qui se rapproche le plus de ce que vous auriez aimé avoir. Que si c'était vous, si on vous mettait devant le champ, vous devez choisir ce que vous auriez choisi vous-même. Vous partez, vous inscrire dans les listes électorales de ces partis. D'abord, les listes électorales. Vous adhérez aux partis politiques qui sont ces partis, qui sont de vos choix. Je ne vous oblige aucun parti. Et deuxièmement, vous écoutez les leaders politiques de ces partis. Quelles sont leurs revendications? Et si leurs revendications sont faites, vous les lisez, suivez-les dans Twitter, dans WhatsApp, suivez quelles sont leurs revendications. Actuellement au Cameroun, la revendication principale pour que votre choix actif se réalise, devienne réalité, c'est que le code électoral soit consensuel. C'est que le code électoral actuel qui a gardé le régime, qui vous a tous même démotivé, doit être revu, nettoyé. Les choses doivent être fondamentalement changées. Pour que demain, lorsque vous allez mettre votre voix à l'intérieur, même si c'est le diable que vous avez choisi, que ce soit le diable qui sorte. Que ce soit le diable qui devienne le président. Que si c'est Dieu que vous avez choisi, que ce soit Dieu qui devienne le président. Mais que ce soit votre choix, c'est ça le plus essentiel. Parce que ce n'est que ce à quoi vous nous sommes destinés à choisir. Voilà pourquoi le code électoral, les élections sont importantes dans un pays. Parce que les élections respectent la dignité humaine. Les élections, c'est un processus de respect de la dignité humaine qui est celle de sa liberté. La liberté de choisir. La liberté de choisir. Et vous devez donc vous activez à ce que ce code électoral soit révisé. Ça veut dire que ce soit par des manifestations populaires dans tout le pays. Des soulèvements populaires pour dire trop, c'est trop. Maintenant, nous avons choisi. Nous avons choisi de choisir. N'attendez pas. Personne ne va vous libérer. Personne ne va vous libérer. Même pas Maurice Kamto. Même pas Paul Biya. Même pas Ngongo. Même pas Joe Biden. Même pas la Russie. Tout ce que les autres peuvent faire, au contraire, un peu, c'est de vous accompagner dans votre libération. Apporter leur soutien. Mais ils ne peuvent qu'apporter leur soutien lorsque vous, vous êtes en posture active de libération. Merci de m'avoir suivi. C'était Kouale. Merci d'avoir passé le temps, près de deux heures et demie avec moi. Et j'espère que j'ai été clair et qu'on a essayé d'échanger un peu sur tous les thèmes intéressants. Et c'est ça. On continue. On continue. Et debout, debout tout le monde. Merci. Merci à Racine Kenfak, mon frère.
Lily Conchou, bonjour, merci. Gilles Junior, merci. Anne-Marie, merci. Jean-Marie aussi, merci. Jeannette Conchou, merci. Merci. France Champagne, bonjour. Félicité, bonjour. Christine, grâce, bonjour, bonjour. Merci à vous tous. Kito, Georgette, bonjour. Kitio, Georgette, sorry. Bonjour, bonjour. Martial Fotso, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci à Véronique Tindo, ma grande, bonjour. Je termine ici aussi en disant et à tous les Camerounais que nous devons nous mobiliser pour la libération de notre pays. Sans oublier, je vais saluer ici tous les prisonniers politiques souffrant dans les dictatures africaines et particulièrement au Cameroun, en particulier Salomon Bia, avec qui je suis entré en contact ces derniers jours. Et courage, mes frères, courage. Nous ici dehors, nous essayons tant bien que mal à faire ce qui est essentiel à faire, à faire ce qui est important, à sensibiliser, à créer la motivation, à aller puiser la motivation au fond des Camerounais. Donc, courage, la lutte continue, nous ne vous oublions pas et ensemble, nous vaincrons. Merci, hein? Merci à tout le monde. Ciao.